Memunasha. Qui insulte les bamous. C'est quelle chanson ça? C'est quel mampagnan qui insulte les femmes bamous comme ça? Merde! Jimba! Et toi, Jimba, tu restes là sans rien dire. Bien. Je vous soucie pas, propre. Voilà le plantain, Jimba. Qu'est-ce qui était souvent dit dans cette maison? Hein? Je m'en fous. Tu n'auras pas de couscous aujourd'hui, Jimba. Je n'aurai pas de couscous, pourquoi? C'est même quoi? Tu n'as pas suivi la musique que ton collègue a sorti qui nargue les femmes bamous. Musique de mon collègue. Attends, de quelle musique parles-tu? Tu vas entendre dans ma bouche. Zainabou ne tombe pas dans son modèle. Qu'est-ce qu'il en sait de la femme? A-t-il une femme chez lui? Hein? Je m'en fous. Ton collègue là ne sait pas que je suis une femme bamou. Mais reste tranquille, tu ignores quoi, bébé? Chaque femme est une reine, quelle que soit sa religion ou sa tribu. Vous méritez ce respect là. Attends, je te pose la question. Es-tu sale? Mais quelle question? Voilà. Tes soeurs sont sales? Depuis quand? Ah, moi, je le sais très bien que mes mamans ne sont pas sales. La preuve en est que voilà. Hein? Si je comprends bien, il devait parler de lui, c'est tout. T'as raison, chérie. Ça vaut pas la peine de se fâcher de ce mancoignard. Laisse-moi voir un coucou. Bah alors... C'est bon. Mais petit, n'oublie pas que nous sommes dans un pays de paix. Le Cameroun reste et demeure le seul havre de paix. Même les étrangers se sentent à l'aise ici. Voilà. Donc faisons l'effort plutôt de véhiculer les messages de consolidation de paix. Voilà. Demande pardon à nos mamans. Demande pardon à mes soeurs. Parce que je ne suis pas encore fâché. Oh. Je ne me suis pas encore fâché. Donc, demande pardon aux femmes. Mm-hmm. Ok. Non, je cousais plutôt avec un petit.